J'ai beaucoup d'activités géniales de prévues dans le jardin aujourd'hui. Et pour commencer, un pique-nique surprise! Notre pique-nique! Que s'est-il passé? Oh, vous l'avez bien, Suzy! Une empreinte de pattes? Kitty, c'est toi qui as fait ça? Tu as raison, Tippy. Les empreintes mènent au buisson. Oh, on dirait bien qu'on a un visiteur. Tu as l'air d'apprécier notre pique-nique à ce que je vois. Heureusement que j'avais prévu d'autres activités. Venez les bébés, on va bien s'amuser. Vous y êtes. Maintenant, il faut glisser. Tes fleurs sont très belles, Dottie. Kitty. Il était une fois deux petits chats. Les chats, les bébés. Oh, j'ai besoin d'un bon grand moment respiration. On inspire par le nez. 1, 2, 3. Et on expire par la bouche. 3, 2, 1. Si les chats arrêtaient de se chamailler, on pourrait jouer tous ensemble. Mais à quoi aiment jouer les chats? Ça y est! Je viens d'avoir une idée géniale! Au lieu de séparer les chats, on va leur faire faire des chat-activités super amusantes! Qu'en dites-vous, Kitty et Sunny? Et Kitty Cat, puisque tu es notre experte en chat, nous allons suivre tes idées. Vous pourrez même gagner des Youpi Bravo Collants si vous ouvrez bien grand vos oreilles spéciales. Une course d'obstacles pour chat est une très bonne idée. Prêt, feu, partez! Miaou, miaou, miaou! Oh, ils jouent ensemble! Bonne idée, Cathy! Préparons-leur un délicieux pique-nique. Ils mangent ensemble. Tu es sûre que les chats aiment la peinture? Oh, je crois qu'ils se sont peints l'un l'autre. Oh, rien de tel que des biscuits et du lait entre amis. Pas vrai, les chats? Vous avez très bien écouté Cathy aujourd'hui, les bébés. Je crois que vous méritez tous un Youpi Bravo Collant Vert pour avoir ouvert bien grand vos oreilles spéciales. Et vous deux aussi. Bien, vous êtes prêts pour l'histoire? Il était une fois deux chats qui sont devenus meilleurs amis. Gordon, c'est vilain! C'est pour la sculpture de Tilly, pas pour ton estomac! Voilà, Tilly, tu as besoin duquel? Oh,
Oh oui, vraiment. Je n'ai jamais vu de chat aussi beau. Chut. Je voulais dire le plus beau chat en macaroni que j'ai vu. Oh, ne l'écoute pas, Kitty. Tu sais que tu es le plus beau petit chat du monde. Lulu, attention, pas de ballon dans la maison, tu te souviens? Eh bien, il va falloir trouver un endroit sûr pour la mettre dans la salle de jeu. Oui, sinon nous allons devoir la rebaptiser Miaourveille en pièces. Vous comprenez? Parce qu'elle sera en pièces. Il doit bien y avoir un endroit où la mettre. Allez, Tilly, montre-nous où. Banane pour ça. Pour commencer, toute princesse a besoin d'une couronne. Quel genre de princesse voulez-vous être? Une princesse papillon, une princesse de l'espace et une princesse des biscuits. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en penses, princesse Ellie? Splendide! De quoi d'autre une princesse a-t-elle besoin? Un château? Ça risque d'être très... D'accord, les princesses. Voyons ce que nous pouvons faire.
Quel beau salut, princesse Tilly! Votre gobelet, votre Altesse! Voilà d'autres biscuits, votre majesté! Votre thé est prêt, princesse Tilly! J'ai préparé plus de biscuits, princesse Théo! Plus de couronnes, princesse Lulu! Votre musique, princesse Ellie! J'ai juste un instant, princesse! Très bien, les princesses. Que puis-je faire pour... Waouh ! Des fleurs ? Pour moi ? Oh, c'est ravissant ! J'adore ! Regardez toutes ces fleurs ! Moi aussi, je peux être une princesse ! Oh, les bébés, c'est tellement amusant ! Et, en tant que princesse des fleurs, je désire en premier lieu prendre un goûter royal avec toutes mes amies princesses. Un peu plus de jus de pomme, princesse Tilly. Princesse Théo! Qui est prêt à jouer à Joli Cœur en cette journée? Regarde, Béribou! Ton œuf est rouge, comme les fraises que tu adores! Oh, on dirait que d'autres descendent. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'entre eux pour notre chasse aux œufs. Ouh, Tippitoff, attention. Dotty Doodle, attention. Regardez les bébés, Dotty a déjà décoré son œuf. Ok les bébés, mettez vos mains sur les yeux pendant que je cache les œufs. Ne regardez pas. Ok les bébés, que la chasse aux œufs commence. Allez, allez, allez. Allez les bébés, vous faites du bon travail. Continuez à chercher. Pas deux. Comment peut-il ne plus y avoir deux?
Ce n'est rien, Tipeee. On n'a qu'à cacher à nouveau ce qu'on a. Pauvre Béribou, je vois que tu es triste. Mais je ne sais pas où ils sont passés. Chut, 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 ça va aller, mes petits. Où ont bien pu passer tous ces œufs? Je crois que c'est le moment de prendre une grande respiration. On inspire par le nez. 1, 2, 3. Et on expire par la bouche. 3, 2, 1. Ça y est! Je viens d'avoir une idée géniale! Ok les bébés, si nous voulons retrouver le reste des œufs, il nous faut trouver Doty. Le moment est venu de jouer à cache-cache. Doty, on est censé partager les œufs. Nya, 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 nya. Ah. Doty, je sais que tu adores partager. Tu partages si bien tes crayons et tes feutres avec les bébés, non? Et tu sais quoi? Partager ses œufs est un excellent moyen de gagner des Youpi Bravo Colin. Colin? C'est très gentil, Doty. Ok, les bébés. Que diriez-vous de refaire une chasse aux œufs? Regardez tous ces œufs, les bébés. Vous avez si bien partagé. Voici la preuve que quand on aime, on partage, âge. Pour avoir partagé, vous avez tous mérité un Youpi Bravo Colin. Joli cœur, un grand bravo pour tout ce que vous avez appris de nouveau. Et maintenant, vous avez bien mérité de vous régaler après avoir tant travaillé. Oh non, où est passé Tipeee? Tipeee, attention! Théo, ce n'est rien, c'est juste un peu d'eau. Tu ne préfères pas venir jouer avec nous dans la pataugeoire? Donc tu n'aimes vraiment pas te mouiller les cheveux, hein? J'ai une idée! Et voilà, comme ça maintenant tu peux jouer sans te mouiller les cheveux! Je comprends bien, il faut aussi garder tes pieds au sec, hein? Maintenant, tu es fin prêt pour t'amuser, n'est-ce pas, Théo? Oups, ne courez pas trop, d'accord, les bébés? Maintenant, tu es véritablement prêt pour jouer, n'est-ce pas? Super! Alors, qui veut jouer au... pirate? Théo, la pataugeoire est de ce côté! Oh, attention, Tilly, il ne faut pas abîmer Eddie. Es-tu sûre de ne pas vouloir te rapprocher un peu, Théo? On dirait bien que quelqu'un a un trop plein d'énergie. Oh, Gordon s'amuse bien. Oh, il s'amuse un peu trop. Gordon, relâche Eddie. Oh. Dépêchez-vous tous d'attraper Eddie pour qu'il ne se mouille pas.
Bon, Gordon, reviens ici. Non, Eddie ne doit pas tomber dans l'eau. Maintenant qu'Eddie est en sécurité, si on faisait une petite fête dans la piscine. Gordon,